Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle partie de League of Legends. On joue Nasus Top, on est sur un niveau de jeu platine, à peu près, voilà, platine 4. On a un petit gold 1 avec nous qui est en qualif. En face, on a également du platine. Nasus Top, donc je vais être a priori contre un Swain, je dirais, hein, jugé par sa TP. Compo en face, plutôt dangereuse. Swain, Trinda, Diana, Sivir, Malphite, ça peut faire mal. Nous on a Nasus, Kayn, Gangplank, Ashe et Nami. Bon, on verra bien, hein. Je pense qu'on n'est pas non plus trop mal. Mais un Malphite, ça fait toujours un peu peur. Ça peut vraiment surprendre et engager des teamfights de manière assez. Mais bon, nous on a l'air d'avoir beaucoup de dégâts aussi. Bref, ça devrait le faire. Alors, hop. Tac, on va dire bonjour. Prendre la buveuse. Allez hop. Allez hop, allez hop, allez hop. Petit skin infernal sur Nasus. Pas celui que je préfère, je trouve qu'il est un peu too much. Il y a un peu trop de rouge, un peu trop de tête de chien sur les épaules. C'est pas forcément ce qui m'éclate le plus. Mais bon. Mais bon, mais bon. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait des petits débats sur l'animation de la buveuse. Apparemment, sur ce skin. C'est beaucoup moins fluide, beaucoup moins agréable, et effectivement, c'est un truc que j'ai remarqué. L'animation en fait du sort est très différent. Et je me demande s'il n'y a pas un petit délai en plus par rapport aux autres skins, ce qui serait assez surprenant et pas très juste, mais c'est pas très agréable quoi. Bon, mais ça change, hein, c'est bien d'avoir un peu quelques skins qui changent. Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne sais pas. Donc là au niveau des runes on est sur un conquérant voilà après inspiration pour avoir les délais de récup à 45%, ça c'est un peu essentiel de mon point de vue. Sur le stuff on va partir sur Trinité et j'ai envie d'essayer de Danse de la Mort. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques débats sur ce qu'il fallait faire, que ça servait à rien de prendre ça et qu'il fallait vraiment être encore plus tanky. Mais il y a quand même le fait que ça diffuse les dégâts sur 3 secondes qui peut permettre de mettre quelques coups de buveuse et de se régénérer avec une grosse régène. Et j'ai envie de tester ça en fait, donc bah, je vais tester, puis on verra bien si c'est bien ou pas, mais faut quand même que je puisse un petit peu m'amuser à tester des choses. Hop, ouais, donc là effectivement l'animation de la buveuse est très très perturbant. Alors le Swain en face, je sens qu'il va me saouler. Ok, ouais, l'animation de la buveuse est très étrange. Très très étrange. Je suis déjà en train de regretter d'avoir pris ce skin. Mais bon. Ok, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal sur le farm. Alors, je vais essayer de pas me prendre trop d'auto-attaque de sa part. Hop. On va juste jouer safe. Se concentrer sur le farm buveuse. Et jusqu'au moment où bah, on pourra faire des choses. J'ai vu également que le champion Swain avait été un petit peu modifié par rapport à moi, la manière de jouer que je connaissais. Donc il va falloir que j'essaie d'y être attentif. Ah putain, je sentais que j'allais le rater le creep là, je suis un peu deg. Eh décidément, pas bonjour hein. Et puis là, bah, bien sûr, c'est plus la buveuse qui le prend. Ok, bon, ça part pas très bien. Enfin bon, c'est un début de game de Nasus quoi, hein. Faut pas non plus croire que c'est la fin du monde dès qu'on loupe 2-3 choses. C'est plutôt sur le long terme que ça va se jouer, bien sûr. Hop là, ça je prends. Il me fait super mal en fait là. Concrètement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hop, on essaie de farmer un peu. Putain, j'ai. Ouais, les animations, les délais des auto-attaques sont très bizarres. Je pense que là, il y a un gank à faire. Hein. Ça push beaucoup. Je vais essayer de jouer très safe. Mais non mais... C'est Ouais, ça me fait stresser là ce qu'il me met. Ça me fait stresser. Jungler en face, c'est un Tryndamere. Bon, ça à la limite, ça devrait aller. Mais cher. Qu'est-ce que c'est que son... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais... Oh, je voulais flash et j'ai... Bon. Je voulais flash, mais j'avais pas le doigt sur la bonne touche. No joke. Bon, bah ça me met dans la merde. J'avais le flash. Enfin, là, c'était évident qu'il fallait que je flash. Et j'ai pas flash. Bon.
On est un peu dans le caca. Je vais prendre ça parce que là, il faut vraiment que je joue safe en fait. Mais je suis vraiment pas bien là. Ah, je suis deg. C'est vraiment un petit problème de raccourci là. J'ai changé un peu mes raccourcis en fait pour avoir facilement accès au lock des locks de la caméra. Et ça me met pas forcément bien. Oh non, je vais quand même pas manquer le gros parce que j'ai voulu prendre le petit. Oh, ça m'arrive tout le temps ça en début de game. Merde, c'est ça que je voulais faire. Ok, bon allez, on se démonte pas, on vise le late game de toute façon avec un Asus, c'est toujours un peu compliqué sur le début. Ah, j'ai pas assez de vitesse d'attaque pour last hit simplement. Ok. Ok, attention, toujours pas de vision sur Swain. Ah, je suis vraiment deg hein, là, j'avais juste à lâcher le flash, backer et je pouvais tenter un truc après. Hop, toujours pas de Swain. Alors effectivement, il faut que j'arrive à regarder ma minimap un peu plus souvent. Ok, il est là. Bah là, du coup, il va un peu m'éclater au stuff. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il était, il était pas en train de regarder. Bon, bah voilà, ça rétablit un équilibre de karma. Parfait. Je sais pas ce qu'il a fait, je crois qu'il devait être en train de prendre un café ou un truc dans le genre, parce que là... Je suis un peu surpris il rush dans mon truc comme ça. Oh là là, je prends tous les sbires, incroyable, quel skill! Quel skill! Bah, il est déjà là, il devait avoir une TP. On est d'accord que je l'ai tué, hein, c'est pas, il a pas un sort qui fait genre. Il y a une image rémanente de lui qui arrive et en fait, c'est pas vraiment lui que j'ai tué. Ok, il y a les sbires qui me bloquent le passage et je peux pas du coup. Aller chercher mon last hit, c'est un peu frustrant. Là, je mets le E pour pusher. Faut que je fasse attention au jungler quand même. Bon, là, je me sens pas trop en mesure d'aller chercher les last hits sous la tour. Ok, nickel, ils vont venir à moi. Et là, en fait, je pourrais presque jouer en mode super agressif. En fait, là, ce qui se passe, c'est que je le tombe, hein. J'ai le mana, bien sûr. Hop là! Quel génie! Quel PGM je suis! Sublime, les amis, c'était sublime! Bon, là, on va commencer à s'amuser. Faut que je fasse gaffe au Trinda quand même. J'ai pas de vision sur lui. J'ai plus trop de mana pour faire ma buveuse, donc en fait, ça va être le moment de back. Allez, je back maintenant, comme ça je peux revenir et choper le Swain à la repop. Ok. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe ailleurs. On a une Diana qui est tranquille. Le Drake, il faut le faire assez vite quand même. 7 minutes là, il faut commencer à y penser. On va prendre la brillance, on va prendre ça et des bottes. Oh, parfait. Parfait, ça se cale parfaitement sur les items dont j'avais besoin. J'ai presque envie de prendre le raid. Non, je vais quand même le laisser parce que moi j'ai le Z qui slow déjà et ça va me faire perdre du temps de farm. Ok, non, le Swain est bien là. Eh bien écoutez, j'ai réussi à remonter la pente là. J'ai eu un kill que je pense vraiment que j'ai eu parce qu'il regardait pas, il devait être pas attentif, mais je me sens pas déméritant parce que moi je lui ai donné un kill à cause d'un flash qui est pas parti. Et maintenant là il est pas bien quand même. Hein. Il est vraiment pas bien notre ami. C'est un peu embêtant par contre ce qu'il nous fait là. Hop! Bon, on commence à avoir un petit sustain plutôt sympa. Hop là, j'essaie de pêcher un peu pour qu'il perde du farm sous la tour. C'est pas mal. En termes de farm, on a 37 contre 48. Et bien écoutez, j'arrive à le dominer au farm. Pourtant, c'est toujours compliqué avec Nasus en début de partie contre des champions en distance comme ça. Mais je suis assez fier de mes perfs. Ok. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc? Ah, c'était presque, hein. On pouvait presque faire quelque chose ici. On pouvait presque faire quelque chose.
Est-ce que ça passe le kill là? Ah, ça passe. Bien, bien joué les potes. Complètement bien joué. Si on a eu Drake, bah écoutez, elle part quand même plutôt bien cette game. Un petit peu déçu de m'être éclaté par le Trinda, mais c'est le... Ouais, c'est ma faute, hein, tout simplement. Je pensais pouvoir presque tenir le 1v2, mais avec l'ulti de Trin, c'est quand même chaud. J'aurais peut-être dû focus le Swain, en fait. Je pense que je l'aurais tombé extrêmement vite. Mais bon, c'est pas fini, hein. Je peux encore faire des choses maintenant, bien sûr. Est-ce que je peux le choper, ça? Non. Est-ce que je one-shot les sbires? Quasiment, ouais. Quasiment. Alors, le Swain est ici. Je vais le laisser décaler tranquillement. Y'a aucun souci. Quoique. Hé hé! Ok, je sais pas pourquoi on me dit de back. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? J'aurais peut-être dû le laisser back en fait pour pouvoir farmer tranquillement. Bon, je lui ai fait perdre un peu de temps, c'est l'essentiel. Je vais pas chercher à aller le chercher trop loin. Je vais tout simplement me concentrer sur mon farm. C'est toujours une bonne idée. Hop. 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 Merde. Et je pense que là, on va aller faire des petits dommages substantiels sur la tourelle. Avec la buveuse qui passe dessus. Qui devrait me permettre de prendre des plaques assez vite. Hop. Je regarde si je suis pas en train de... Ok. En fait là t'es en train de me faire chier. Moi je continue à creep en même temps. Ah non, il m'est quand même cher. Putain, c'est ce champion, il fait des trucs bizarres. Je m'attendais pas à ce qu'il me pète. Dégâts magiques assez vénères. Je vais essayer de prendre le visage spirituel assez vite. Je pensais vraiment que j'étais ultra large, mais je connais pas bien ce qu'il fait en fait, et ça m'a un peu surpris. Attention mec, hein, y a le top qui décale, je pense que t'as vu, mais quand même... Cours. Alors normalement il peut se barrer dans les murs lui, alors à chaque fois que j'essaye de chase un Kane, je peux pas le choper, et par contre s'il crève quand c'est mon allié, ça va me saouler. Bah, pourquoi il passe pas dans les murs? Qu'est-ce que c'est que ce type? Bon, je suis un peu déçu, ensuite j'ai voulu lancer ma TP sur un creep, c'est pas passé, je sais pas pourquoi. Bon, hop. C'est pas terrible tout ce qui vient de se passer là. Je commence à avoir quand même des bons dégâts moi, mais... Faut que j'arrête. C'est dommage que j'ai perdu le bel avantage que j'avais sur Swain. Je pense qu'en jouant mieux, j'aurais vraiment pu le rendre complètement inopérant. Ok, on va péter ça. Bon, j'ai un jungler qui a l'air d'être bien focus sur les drakes, ça j'aime beaucoup. Je rêve ou il vient de remettre une pink direct là? Non, je rêve pas. Par contre, toi t'as plus d'ulti, hein, je crois que tu viens de le lâcher. Bon, un petit peu déçu que je fasse pas plus de choses que ça. 1100 de farm. Le Trinda, il a l'air d'être quand même très présent sur le top. Est-ce que je peux encore faire des choses? C'est un peu chaud pour moi là, je sens que c'est un peu chaud. Je vais peut-être aller Ah, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse là. Qu'est-ce que c'est que ces sorts bizarres là? Mais c'est nimpe! Il me ramène en arrière. Avant, ça, il avait juste un truc qui immobilisait. Je suis pas bien en fait là. Je suis en train de... J'étais trop bien sur ma lane, là je suis en train de me faire éclate. J'ai pas eu un seul gank alors qu'il a souvent été push, ça c'est un peu bizarre. Et moi je me suis un peu fait perma par le Trin pour l'instant. Bah écoutez, c'est chaud hein. Bon, je vais prendre la Trinité, ensuite il faudra que je rush le visage, parce que là il me met vraiment trop de dégâts magiques. Je vais aller prendre le raid, parce que n'ayant pas d'aide du jungler, il faut bien que je prenne un peu d'aide dans la jungle d'une manière ou d'une autre. Bon, je pense quand même à l'échelle de la partie on n'est pas trop mal, hein. On a deux Drake, on a l'air d'avoir une team quand même qui est pas mauvaise, mais je me sens un peu seul, je me suis fait perma par le Trin sans avoir d'aide. Et normalement dans les cas là il faut que le reste de la team soit bien dans ce qu'elle fait, et je suis même pas sûr que ce soit le cas, ça m'inquiète un petit peu.
Tac, lui on le prend. On va ensuite retourner sur le top. Je suis pas sûr que ça nous permette pour autant de faire un kill, hein, mais... On va tester. Parce que là du coup j'ai les bots, donc il pourra pas fuir. On va voir ce qu'on lui met. Effectivement, on peut lui mettre cher, je pense, mais... Là, je le pète, hein, je pense. Si je... Mais pourquoi j'avance plus? Putain, mais c'est incroyable. J'ai le raid plus des bots Mercure. Et je peux pas aller le choper. Alors que là, bah, je lui mettais deux autos... Enfin, deux coups de buveux, c'était fini, mais... Il trace. Bon, bah là, c'est moi qui prend des très mauvaises décisions, hein, c'est indéniable, mais bah, il est déjà full PV. Et il va se faire éclater le Kayn aussi. Hein. Alors lui, par contre, il peut le chase. C'est bien. Nickel. Mais, ouais, c'est, je suis un petit peu surpris de la manière dont je me fais éclater, alors que je pensais que j'étais vraiment pas si mal. Tant pis, hein, on va continuer à essayer de farmer, on va viser le late, hein, comme toujours. Ouais, j'avouerais que là, le farm, je l'aurais bien voulu pour la buveuse, éventuellement. Bon, le Kayn n'a pas l'air d'être très, très cordial, donc on va se focus plus sur notre lane. On va un petit peu AFK farm, et puis push à l'inhib, hein, classique, hein, Nasus classique. Attention, le Swain n'est pas là. Bon, quand j'ai suivi là jusque sous la tour, c'était pas vraiment pas malin de ma part. Mais bah, je pensais vraiment que ça passait en fait. Ils sont à combien mes coups de buveuse là? 500 et quelques. Ah, oh, putain, d'accord, maintenant j'ai du Malphite qui vient. Ah oui, d'accord, c'est Sivir Malphite. Alors par contre, la Sivir, je peux la surprendre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ok, le Malphite va peut-être passer par en bas. Mais alors là, j'aimerais bien peut-être ne pas être tout seul en ce moment. Putain, je suis resté stun. Je sais pas combien de temps à pas pouvoir mettre l'ulti. C'est dommage, je mettais quelques autos sur le Nasus, il prenait très cher. Je suis un petit peu déconcerté par la manière dont ça se passe là sur la top lane, alors que je pensais que j'avais fait un bon début de partie. Et là, je suis en train de me faire complètement remonter. Bon, je vais avoir les 45% de délai de récup, donc je vais pouvoir faire pas mal de choses. Mais ça me surprend un peu quand même. On a un GP qui est myope. J'aurais peut-être dû rush la Sivir tout à l'heure qui m'a fait bien mal, mais là, elle, pour le coup, en quelques coups, je pense que je la mets vraiment, vraiment dans le mal. Elle a eu une interruption, ouais. Bon, on a un GP qui a l'air plutôt bien dans sa partie. Le Kayn n'a pas l'air mauvais non plus, hein. Il m'a pas beaucoup aidé, mais je pense pas qu'il soit mauvais pour autant. Je pense que c'est juste les décisions qu'il a prises. Hop. Bon, bah, je vais faire ce que je pense être le mieux, hein, même si c'est un petit peu monotone. Ça va être vraiment farmer le top. Ok, 600 pour la buveuse. Je prends note. Ce qui est un petit peu embêtant avec Nasus, c'est que l'ulti, il a un petit délai d'incantation. Et bah parfois, quand il y a besoin de gagner le surplus en PV rapidement, on n'a pas le temps de le poser, en fait. Et ça, c'est un petit peu frustrant. Hop. Hop. Hop, tac. Ok, ouais, bon, je vois que c'est un peu chaud pour eux. Bah moi, je vais en profiter pour aller prendre la tourelle. Là, en fait, j'ai pas de farm, hein. Je peux même pas fight en team avec mon équipe. Ça, c'est un petit peu dommage. On va push à fond. Je vais vraiment aller chercher les nibs. Je pense que c'est la meilleure manière de mettre un peu de pression en face. Parce que là, je suis trop fragile, hein. J'ai pas de stuff, j'ai rien, j'ai pas de farm. Ok, là par contre ça va me tomber dessus, je pense.
Ah, j'aurais peut-être pu avancer encore un peu, mais je préfère pas prendre trop de risques. Ok, c'était pas. En fait, c'était un peu compte-back. Là, j'avais pas spécialement d'intérêt à faire ça. J'ai même pas de truc que je peux acheter. Je vais simplement prendre ça et éventuellement venir me battre avec ma team. Là, je pense qu'il y a quand même besoin. J'ai l'ulti, j'ai moyen de faire des choses. Allez, le GP, je sais qu'il est un peu chaud. Ok, ça c'était pas trop mal joué pour le coup. Il faut attention que, il faut que je fasse gaffe à pas partir en avant comme un fou. Et il faut que je reste bien avec les carry pour les protéger au max. Alors en fait, toi t'es mignon, mais du calme quand même. Hop! Hop là, coup de buveuse qui est parti sur la Diana. Bon, j'ai essayé de trouver le bon compromis quand même pour aller. Ok, bah je commence à mettre des coups de buveuse qui achèvent tous les ennemis. C'est tout ce qu'on aime. Ok, j'ai pas pu achever la tourelle à la buveuse, c'est dommage, ça m'aurait fait un stack. Moi je vais retourner au top du coup. Repush ma lane. Bon, je suis content, là j'ai réussi enfin à être un petit peu moins dégueu que dans ma game. Parce que jusque-là, c'était vraiment pas ça. Et là, j'ai mon honneur qui revient un petit peu. Là, par contre. Mais c'est incroyable que je puisse pas me le faire en 1v1, ce fou là. Ah, bah quand même! Bon, là, j'ai bien compris que j'étais mort, mais je trouvais ça bizarre que j'arrive pas à me le faire. Là, je pense que comme la fight elle a duré suffisamment longtemps, la rune conquérant elle m'a mis bien. Mais je suis surpris que je lui roule pas complètement dessus, quoi. Mais bon, c'est. Bon, faut dire qu'il est quand même, il est quand même bien feed, hein. Enfin, fed plutôt. Mais bon, là, je commençais à être pas trop mal non plus. Bon, cela dit, j'avais beaucoup de gold en stock qui n'était pas investi dans du stuff immédiatement. Ça joue quand même pas mal. Bon, pour l'instant, on n'a pas raté un seul Drake, il me semble. Quoique, je suis en train d'avoir un doute là. Ah bah si, ils ont eu un Drake des montagnes, autant pour moi. Bon, et bah je vais retourner moi sur ma top lane, je vais aller push, hein, je vais aller chercher l'inhib. Et essayer de prendre les fights avec ma team quand vraiment je sens que c'est le moment. Là je suis content, je pense que j'ai vraiment décalé au bon moment. J'ai toujours un peu du mal à savoir avec Nasus à quel moment je dois farm et à quel moment je dois venir me battre. Mais là pour le coup je pense que c'était vraiment pas dégueu du tout. Ouh là là. Où est-ce que je prends? Alors toi. Hop là, ça dégage. Je voudrais bien me battre en fait, mais il faudrait que je puisse atteindre mes alliés. Là, je pense qu'on peut faire des trucs là, non? Ok, il faut pas que j'y aille trop dans le tas, il faut vraiment que je reste proche de H. Pour la protéger au mieux, on a un Drake dans 1 minute. Ils veulent faire le Nash là. Bah écoutez, quand il y a des calls comme ça, il faut suivre. Mais je sais pas si ça aurait pas été mieux d'y aller. Ouais, si là, effectivement, j'ai vu qu'il backait en face. Je pense qu'on peut le tomber très vite. Ah, faut faire gaffe quand même. Hein. Moi, je suis pas convaincu que ce soit le bon call là. Hein. À mon avis, il faut des engages. Ça me paraît vraiment complexe. S'il nous monte dessus, on n'est pas bien. Moi j'aimerais bien ne pas perdre trop de farm. Là il faut vraiment que je me remette à farmer. Ça va Nami, tu t'en sors? Ok, alors là il y a le Drake. Alors là par contre je vais le laisser essayer d'aller le choper. Parce que moi il me faut vraiment du farm au top. Et je pense que je peux mettre une grosse pression en allant vers l'inhib. Mais non, elle s'est quand même pas fait avoir. Je sais pas pourquoi la Nami elle est restée ici. Parce que là il y avait le Nasus, hein, c'était un peu obvious. C'est pas que je veux pas être avec vous les potes, c'est vraiment que bah, il me faut du farm pour exister dans la partie. Ok, là ils sont tous au Drake, je prends la tour. Ce serait bien que je sois avec eux. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a un GP qui a fait des trucs. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors le Malphite, oh, j'ai presque envie d'y aller en fait. Hop là. Putain, Nasu c'est quand même quelque chose hein. Je pense qu'ils ont pas besoin de moi pour le baron en fait. Je préfère rester ici, je pense que je sers plus à ma team en étant là et en mettant la pression aux adversaires pour qu'ils galèrent à aller défendre le baron. Parce que là la tourelle je peux la tomber très vite. Ok, elle me fait quand même un peu flipper. Hop. Bon, il faut que j'arrive à prendre les bonnes décisions là. Rester sur la lane ça me paraît pas dégueu pour l'instant, mais il faut pas que je crève bêtement. On a une amie qui carrément me ping le crapaud comme si c'était un truc complètement vital. Soit. Bon alors là par contre on a l'aura du Nash, j'ai l'ATP qui revient. Je peux prendre la danse de la mort. Je sais pas exactement si ça va me changer la vie, mais je pense que ce sera pas mal. Puis je vais prendre un maillet gelé, c'est genre très vite en fait. Parce que j'ai envie de pouvoir aller chercher les gars qui se barrent et qui courent partout. Et là je vais vraiment push à fond. Là pour le coup je suis un monstre en fait. Je pense que le Trinda... Là je vois qu'il vient vers moi, je pense que je le mange en fait. On verra si je me prends pour un fou ou pas. Oh non j'ai loupé le gros, trop triste. Trop triste. Alors là par contre moi je pense qu'il faudrait que je sois avec eux, j'aurais dû décaler plus tôt. Tant pis, maintenant que je suis là je vais aller au bout, je vais prendre la tour. Encore une fois, j'ai mal géré mon last hit, j'aurais dû l'achever la buveuse. Ok. Alors en fait, là, lui... Pour vous faire un petit topo de la situation, mauvaise idée de venir me test comme ça. Toi, pareil, hein. Là, en plus, j'ai la Trinité. Ce qui me fait quand même beaucoup de vitesse de déplacement en plus. Trinda, tu veux prendre la même ou commencer? Ok, là par contre j'ai pris un peu trop la confiance je pense. Je me suis beaucoup exposé, j'ai perdu des PV sans que forcément ce soit judicieux. Bah écoutez, voilà, c'est toujours un peu compliqué pour de pas être avec la team pour pas avoir l'impression de passer pour le mec qui joue solo, mais il faut savoir prendre les bons calls. Et je pense que là, en l'occurrence, c'était plutôt des bons choix, parce que j'ai réussi à faire des énormes dommages sur la top lane. Et je suis plutôt conforté dans ma prise de décision. Et là, il va me falloir du farm, en fait, pour me régène. Hop, continue à stack. Ouais, moi aussi, je vais focus Sivir. Tout le monde va focus Sivir, en fait, et on va gagner. C'est ça qui va se passer. Tac. Y aller là en vrai. Alors par contre c'est effectivement moi j'ai quand même un petit peu de gold en stock, mais là il y a la team qui débarque donc c'est le moment. Allez, enfin là le swain il arrête de me faire chier, je le dégomme à la buveuse, ça fait du bien, ce qui m'a quand même mis mal pendant une partie de la game. Allez, celle-là je la one shot, enfin je la last hit pardon, ce qui veut dire que je prends en plus le farm sur la buveuse. Bon, c'est pas la partie où j'aurais atteint le... celle-là, j'aurais dû attendre un petit peu pour y aller dessus. Est-ce que je chope le gros, là? Oui, je le chope. Moi, ouais, on est en train de finir la game, je suis encore focus sur ma buveuse, hein. Ça, c'est le typical Nasus qui pense qu'à ça. Je vais attendre la fin de son ulti pour lui mettre le petit coup de buveuse qui va bien. Ok, il y a la hache qui avait plus de vitesse d'attaque que moi, elle a réussi à le faire très bien. Hop, bon là on s'en fout un peu du stack maintenant. Bon, je dis ça mais... Tac, je la prends quand même. Et voilà, petite game sympa de Nasus top. Pas incroyable au début, mais j'ai réussi sur le milieu et fin de game à remonter puis à être utile, donc plutôt chouette. Eh bien c'est la fin de cette vidéo, je suis un petit peu dégoûté parce que je viens de me rendre compte en fait que j'ai oublié de passer la caméra à gauche, donc vous avez eu la caméra sur la mini-carte pendant toute la partie. J'espère que ça vous a pas trop dérangé et que vous m'en voudrez pas, j'essaierai d'être plus vigilant à ça à l'avenir.
Bon, voilà, sur l'ensemble de la game, bah, Nasus, quoi. Hein. Début de game un petit peu chaotique, j'ai fait des trucs sympas, j'ai aussi fait des trucs un petit peu mauvais. Puis j'ai quand même essayé de rester focus sur le farm, de prendre quelques fights avec la team. Ce qui fait que bah, dès qu'on arrive vers le milieu de game, fin de game, bah, je suis très très efficace et je suis ultra dangereux. C'est un peu la classique, quoi. Donc voilà, je pense que si j'arrive à progresser sur mes débuts de game, je pourrais être encore bien meilleur. Parce qu'une fois que je suis parti, je suis pas mauvais, quoi. C'est vraiment le début qui est un peu compliqué. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.